À la une de ce journal, l'inauguration officielle du RER E a eu lieu, l'occasion de montrer en avant-première les trois nouvelles stations juste avant sa mise en service prévue ce lundi 6 mai 2024. On va faire le point sur cette journée. Voici la une de ce samedi 4 mai 2024. Salut, c'est Or, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale de l'Update. On commence cette édition par l'inauguration officielle qui a été organisée hier sur le RER E avec un voyage inaugural en RER NG. L'extension du RER E entre la gare Saint-Lazare et Nanterre la Folie avec deux nouvelles gares monumentales à Porte-Maillot et à La Défense est un projet vieux de plus de 10 ans dont les travaux ont débuté en 2017. La journée a été commencée dans l'après-midi par Nanterre la Folie, la seule gare du prolongement à être en aérien pour le moment. Le voyage inaugural a été amené à la station Porte-Maillot où le RER E fera correspondance avec le RER C, le métro 1 et le T3B fraîchement arrivés et c'est fini par le passage à La Défense, station en dessous du CNIT qui fera correspondance avec le RER E, le Transilien L, le Transilien U, le tram T2, le métro 1 ainsi que de nombreuses lignes de bus. Un discours des officiels a bien sûr été prononcé avec le Premier ministre Gabriel Attal qui est associé de la partie symbolisant le projet d'écologie de solution. Elle doit permettre aux habitants de l'Est de l'Île-de-France de rejoindre directement le quartier d'affaires de La Défense à l'ouest de la capitale en complément du RER A. À terme, le projet EOL pour Est-Ouest Liaison Express doit atteindre Mantes-la-Jolie en Yvelines en décembre 2026. Le service qui ouvrira pour les voyageurs lundi ne sera que partiel jusqu'à la fin de l'année, ouvert seulement aux heures creuses de 10h à 16h en semaine et jusqu'à 20h le week-end en raison du besoin de rodage des nouveaux matériels livrés par Alstom. Les RER NG dont seulement 14 rames sur 34 sont déployés. Pour l'heure, les Z50000 ainsi que les MI2N continueront de rouler sur les deux parties de la ligne. Dans le reste de l'actualité, partons du côté de l'Allemagne, où des essais ont été réalisés sur le réseau KVB de Cologne. Un test avait auparavant été annoncé pour le dimanche 14 avril après-midi et attendu avec impatience par de nombreuses personnes. Des rames de 90 mètres de long ont été aperçues dans la ville. Le test qui a été réalisé à la demande des groupes parlementaires CDU et Volt et sur décision de la commission des transports est motivé par la planification de l'extension de l'axe S-Ouest. La KVB a réalisé l'essai en utilisant, au lieu des trams de 60 mètres de long habituels en UM2, un total de 4 UM3 de 5400, de 4 5400, de 90 mètres de long sur le tronçon choisi entre Neumarkt et Dotzmes. Les 3 lignes 1, 7 et 9 circulent à une cadence de 15 minutes le dimanche. En outre, les 8, entre autres, 18 trajets ont été effectués sans transport de passagers avec des rames de 90 mètres, avec un cadence serrée d'un jour ouvrable normal où une rame circule toutes les 2 minutes dans chaque direction n'aurait pas pu être reproduite à l'identique avec ces rames supplémentaires. C'est en permet de confirmer l'aptitude au passage de 90 mètres sur un axe très emprunté avec l'augmentation de passagers. Reste qu'il faudra adapter certaines stations qui ne peuvent pas accueillir de 90 mètres de long de tramway. Pour rappel, la KVB a aussi commandé 62 rames Alstom Stadis de 60 mètres de long ainsi que 2 rames de 30 mètres pour l'utilisation de l'axe Est-Ouest. Ces nouvelles rames permettront de l'utiliser en version 90 mètres et remplacer les K4000. Les deux premières rames longues ainsi que les deux premières rames courtes doivent arriver à la fin de l'année. Par ailleurs, un contrat supplémentaire a été fait qui comprend l'achat de 11 trams longs et 25 trams courts supplémentaires qui seront nécessaires pour les différents projets d'extension du réseau de la KVB selon le plan des besoins en matière de transport public. On peut aussi parler d'un maquette qui est aussi présent de ces rames Alstom dans leur dépôt de la KVB. Un nouvel DLC surprise est sorti cette semaine sur OMSI 2. Il s'agit du DLC Zurich Tram Ligne 11 qui rajoute un nouvel DLC tram. Après le DLC sur le N6D ainsi que la métropole Ruhr, où on peut aussi conduire des tramways, c'est le troisième DLC de ce genre et le deuxième DLC représentant la Suisse. Après le DLC sur la ligne 24 de Lucerne, dans ce DLC, il sera possible de conduire les 13 km de la ligne 11 qui comprend 34 arrêts et qui relie la banlieue rurale d'Oselk jusqu'à Réalp, en passant par le centre-ville et la gare de Zurich. Le DLC comprend aussi la rame Cobra, un tramway qui circule de base dans Zurich avec un fonctionnement particulier car en effet le tram n'utilise pas un manipulateur pour contrôler la rame mais un volant, oui, assez surprenant. Et c'est la fin de l'update, merci de l'avoir suivi, on se retrouve le week-end prochain en direct pour Insta14 et retour de l'update dans 2 semaines. Passez une bonne soirée, c'était Silver, ciao.